Des fois, en tant que conseiller d'orientation, on peut croiser des gens bizarres. Très bizarre. Entrez. Bonjour. Asseyez-vous. Vous cherchez quel genre de métier? Ben, vous voyez, plutôt un métier qui permettrait de m'exprimer, pour profiter de mes talents d'orateur, en fait, d'exprimer avec une certaine aisance ce qui, voilà. Je veux pas vous déranger là-dessus, mais si c'est possible, pourquoi pas. Oui, je devrais avoir ça dans mon livre. Je regarde, donc il devrait avoir des métiers dans l'assemblée. C'est interprète, si vous voulez, si vous Ah avez. oui, ça serait pas mal, parce que on me dit souvent que je parle vachement bien. D'ailleurs, il y a un copain à moi, il m'a dit Lyon, tu parles, Lyon, t'es super détendu. Je suis contre toi, c'est pour ça que je profite de cette occasion. Oui, alors sinon, par assemblée, vous devrez pouvoir parler en faveur, enfin vous aider les muets à parler, vous parler à leur place un peu, vous êtes un peu leur bouche, quoi. Oui, ça c'est bien. C'est une œuvre un peu charitable, c'est gentil. Ah oui, ça me plaît. Sinon, je crois que vous ne voyez rien. Si vous voulez, vous pourriez des le papier. Vous avez tout le choix, plein de choix, ce que vous voulez. Je pense que ça peut être bien pour qu'on. Oui, mais vous voulez emporter le magazine, j'en ai plein sur Je veux bien, si. D'accord? Je ne veux pas vous déranger. Non, non, bon, on se revoit un autre jour et. Au revoir et au revoir. À bientôt. Au revoir. Oui, c'est ici. Oui, c'est ici. Et oui, c'est pourquoi? C'est pourquoi, monsieur, s'il vous plaît? J'ai appelé hier, m'avait répondu. Ah oui. Vous parliez, attendez, de. Vous voulez travailler? Oui. Oui, et alors que voulez-vous faire? Je sais pas. C'est à vous de me le dire. Donnez une idée, n'importe quoi, je sais pas, vous voulez faire travailler dans la communication, dans la tra dans les transports, que Les vous transports. voulez faire quoi, conducteur, enfin pilote d'avion, conducteur, enfin si vous avez de quoi Pilote. conduire. L'avion. Et vous avez un permis? Ouais, ma mère est motorisée. Oui, mais non, mais est-ce que vous avez un permis qui dise que vous avez la capacité de conduire l'avion, pas de avoir le permis de votre mère? Ah non. Non? Non. Ouais, et où on le Pourquoi? trouve? Vous devez aller faire plein de tests, c'est compliqué. Excusez-moi. Entrez! Faut pousser. Oh, pardon. Excusez-moi. Bonsoir. Oui, alors, quel genre de métier voulez-vous faire? Ça se voit pas? Non. Ça se voit pas? Parce que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être mannequin. C'est une voix souffrée. C'est moi d'ailleurs, tout le monde dit que c'est inné, vous voyez. Si vous voulez, nous pouvons regarder sur ce livre, il y a tous les métiers autour du mannequin. Oui, pourquoi pas? Il y a mannequin, il y a ça, c'est tous les métiers sur les mannequins. Sur les métiers autour du mannequin aussi, donc il y a manager, maquilleur, enfin tout. Vous choisissez les vêtements, et puis moi je crois que manager serait plutôt votre style. Vous avez un style de pouvoir organiser les trucs, franchement, manager ça doit être pour vous.
Il y a beaucoup de choses de plus simple, plus simple, quoi. Oui, vous m'avez dit que vous voulez devenir mannequin, mais excusez-moi, mais vous n'avez pas le charisme pour le faire. Et pourquoi? C'est zéro? Hein? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous pouvez me dire? Bordel de merde, c'est quoi le problème? Hein? Connard de merde, attends que tu... t'es pas en classe, t'as pas la classe, t'es ridicule, t'es une merde, voilà ce que j'ai à dire. Pauvre merde, bon.